mais aussi le cinéma, le train et le métro. Les punaises de lit envahissent-elles notre quotidien ? Il n'y a pas de recrudescence, je vous le disais à l'instant, assure Clément Beaune après une réunion sur le sujet avec la RATP, avec la SNCF. Alors, comment s'en prémunir ? Comment expliquer leur présence en ce moment ? On va en débattre avec nos invités après le récit d'Aurélie Schiller. Depuis plusieurs semaines, elles prolifèrent jusque dans les transports. Bus, RER ou même TGV, les vidéos sur les réseaux sociaux montrant des punaises de lit se multiplient. Même si la RATP assure qu'aucun de ces insectes n'a été pour le moment détecté, ce matin dans le métro parisien, les voyageurs restent inquiets. J'ai pas envie de me retrouver avec des punaises de lit dans mon intérieur, de décontaminer toute ma literie, mes vêtements. J'aimerais mieux pas en attraper si c'est possible. Après, je le prends pas souvent, donc bon, j'espère que ça m'arrivera pas, mais voilà, oui, si on peut éviter, ce serait bien. Le sujet est devenu politique. Pour éviter la psychose, le ministre des Transports reçoit aujourd'hui les opérateurs et associations d'usagers. À 10 mois des Jeux Olympiques, c'est désormais une course contre la montre que le gouvernement entend gagner. Tous les 3 mois seront publiées les données des opérateurs de transport sur les cas signalés et recensés, sur les cas avérés, puisqu'on voit qu'à chaque signalement, il n'y a pas nécessairement un cas avéré, même en général, il n'y en a pas. Mais il faut faire cette transparence. Les transports ne sont pas les seuls concernés par la présence de l'insecte. Cinéma, logements et écoles sont aussi touchés. Quelques établissements scolaires ont dû fermer leurs portes le temps de traiter les locaux, comme à Villefranche-sur-Saône ou dans ce collège à Marseille, inaccessible jusqu'à lundi prochain. Dans de nombreux départements, les professionnels de la désinfection se disent débordés, comme ici dans le Var. Un appel par jour, on est passé entre 5 voire 6, et des fois plus selon les journées. Le nombre d'interventions pour désinfection a bondi, plus 65% par rapport à l'été 2022 selon les professionnels du secteur. Aujourd'hui, les punaises de lit sont présentes dans un foyer français sur 10. Pour vous répondre et nous expliquer cette première actualité, Nicolas Roux-de-Bézieux, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Bad Bugs, entreprise qui accompagne les particuliers et les professionnels victimes de nuisibles, dont les punaises de lit. On a également la chance d'avoir le regard de l'histoire avec Fabrice Dalmeida, qu'on a écouté à la radio France Info, avec votre chronique passionnante, notamment sur l'histoire de ces nuisibles. Bonsoir Fabrice, bonsoir, bienvenue. Patricia, bonsoir. Historien, vice-président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Et également par liaison vidéo, Bruno Gazo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et vous étiez à la réunion, en tout cas vous avez participé à la réunion avec le ministre tout à l'heure. Bah tiens, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Clément Beaune ? Est-ce qu'effectivement il n'y a pas de recrudescence de punaises de lit dans les transports ? Vous m'entendez ? Oui. Je vous entends, monsieur. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je t'entends. Alors, à la réunion de ce matin, la SNCF, les réseaux de transport urbain et la RATP et le secteur aérien ont tous témoigné qu'à ce stade, malgré un certain nombre de signalements, aucun des signalements ne s'était transformé en validation de présence de ces nuisibles dans les modes de transport dont ils avaient la responsabilité. Donc, c'est assez rassurant de voir que, aussi bien à la SNCF qu'à la RATP, malgré les signalements, il n'y a pas de nuisibles aujourd'hui. Alors, ce qui était rassurant également, c'est qu'il nous a été expliqué que ces nuisibles n'aiment pas la lumière, n'aiment pas le jour, se déplacent la nuit, se cachent. Et donc, quand on en voit deux jours et en pleine lumière, c'est qu'en général, c'est autre chose que des punaises. Donc, ça rassure quand même sur la présence ou non de ce fléau. Donc, ce que voient et ce que ressentent vos usagers, c'est de la psychose. Alors, les usagers, évidemment, sont comme tous les Français. Ils ont peur de ces nuisibles et une grande psychose qui se développe. Mais le fait que le ministre ait souhaité nous associer à la réunion de ce matin témoigne d'une volonté d'information sur ce fléau et de transparence sur la façon dont il se développe et dont il est traité par les opérateurs. Et j'ai pu observer que aussi bien la SNCF que la RATP que les autres opérateurs prenaient ça très au sérieux. Et c'est tout à fait rassurant de voir que leurs réactions sont à la hauteur du danger, en quelque sorte.
Vous restez avec nous, monsieur. Vous nous faites signe quand vous voulez intervenir. On vous donnera la parole. Nicolas Roux-de-Bézieux, je me tourne vers vous. C'était de la communication ce matin où effectivement vous êtes d'accord avec l'analyse du ministre et à vos yeux, aux yeux des chantiers que vous entreprenez, il n'y a pas de recrudescence, notamment dans les transports. Alors, dans les transports à proprement parler, non, le ministre a raison. En fait, ce n'est pas un lieu de nidification, les transports. C'est-à-dire que la punaise de lit, pour s'installer, c'est vraiment un parasite de l'homme. Elle a besoin d'avoir un homme à proximité et elle s'installe dans les domiciles. Donc, il peut y en avoir dans les transports parce que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés chez eux et qui peuvent en laisser une sortir de leur sac dans les transports. Après, là où il faut rassurer tout le monde, c'est qu'elles ne vont pas s'installer. Il n'y en aura pas 40 000 dans une rame de métro, éventuellement une ou deux qui sont sorties. Mais si on est sur un siège de métro, un siège de train et qu'on voit ça gigoter, pardon, moi, je n'ai pas une adoration pour les punaises. On est d'accord, moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même... C'est désagréable. Il va y avoir les JO, pardon. L'image n'est pas super. Alors, je suis d'accord que l'image n'est pas super. Par contre, deux choses. La première, vous ne les ramènerez pas chez vous. C'est-à-dire que si vous en croisez une dans le métro, vous ne la ramènerez pas chez vous, quand bien même elle vous monterait sur l'épaule. Bon, déjà, vous allez la voir la plupart du temps. Mais en plus de ça, ce n'est pas un insecte qui s'accroche sur les vêtements. Donc, le simple fait que vous rentriez chez vous en marchant, la punaise de lit, elle sera tombée depuis un moment et vous ne la ramènerez pas chez vous. Ce qui est pour ça qu'il n'y a pas eu de signalement avéré. C'est-à-dire que, effectivement, la punaise de lit a été filmée dans un métro. Entre-temps, elle a probablement été écrasée par quelqu'un ou envoyée valdinguer plus loin. Et du coup, quand la détection a été faite, elle n'était plus là, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'infestation qui s'installe dans un métro. Donc voilà, c'est chez les particuliers. Par contre, là, on a une augmentation d'infestation chez les particuliers, effectivement. Mais dans les métros, dans les transports, il n'y a pas de risque. Et pourtant, je rebondis sur ce que vous dites. Monsieur Gazot disait que le ministre expliquait, en tout cas la SNCF, la RATP disait qu'ils aiment les endroits sombres, humides. Quand on est dans une rame de métro ou quand on est dans un souterrain, ça peut être le paradis des punaises. Alors, c'est plutôt les salles de cinéma, effectivement, qui sont le paradis des punaises parce qu'il fait noir tout le temps. Et surtout, ce qu'elles aiment aussi, c'est qu'il y ait des gens immobiles. Parce que la punaise de lit, quand elle nous pique, c'est un repas qui dure entre 3 et 10 minutes. Donc, elle a besoin qu'on soit plutôt bien endormi pour ne pas se faire écraser, si vous voulez. Donc, dans les transports, ça ne va pas. On est beaucoup trop actifs pour qu'elle puisse se nourrir et bien s'installer. Donc, effectivement, les salles de cinéma, ça coïncide un petit peu plus, même si là aussi, il y a peu de chances d'en ramener parce qu'on n'a pas de valise avec nous au cinéma, des choses comme ça. Donc, voilà, éventuellement, dans les trains, c'est peut-être juste les trains de nuit qui pourraient être concernés parce que là, effectivement, il peut y avoir ce phénomène de nidification. Il faut des gens, c'est ce que vous nous dites. Le c'est contexte. Ça. Il faut des gens et des gens qui restent immobiles. Forcément. J'ai une deuxième question, monsieur, pour vous. Il y a eu aujourd'hui la réunion au ministère des Transports. Vendredi, Elisabeth Borne appelle elle aussi les acteurs de ce secteur, sorte de réunion de crise. Est-ce que ça devient une affaire d'État, ces punaises? Alors, aussi petite soit-elle. Bien sûr. Alors, c'est très bien. Là, effectivement, il y a eu un zoom médiatique, pour autant, qui est révélateur quand même d'une progression qui est constante depuis une dizaine d'années sur le territoire. Ça double tous les 5 ans. Donc, il y a quand même une vraie problématique de fond, qui n'est pas aussi forte, effectivement, que le zoom actuel, mais qui est là. C'est très bien que l'État s'en empare. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui peuvent être faites par l'État sur le sujet. L'État ne peut pas tout sur le sujet parce que ça concerne l'habitat privé. Donc, c'est pas comme les rats, par exemple, qui sont plutôt dans l'espace public. Et donc, l'État ne peut pas tout. Mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et tant mieux si l'État se saisit de la problématique. On est à leur disposition s'ils ont besoin de suggestions d'amélioration sur le sujet. Et on va parler des moyens et de la lutte. Et effectivement, si vous avez des conseils, vous les dispenserez. Fabrice Dalmeida, les punaises de lit ont-elles déjà été une affaire qui inquiète les gouvernements, les États, nos dirigeants? Pendant très longtemps, on vivait avec et j'allais dire, elles étaient là. Il y a des textes de littérature, j'allais dire même le dernier que j'ai lu, c'est George Orwell qui évoque dans les banlieues anglaises de l'entre-deux-guerres des hôtels où il aurait mieux valu, dit-il, brûler le matelas. Voilà. Mais en fait, ça a toujours été là. En revanche, c'est vrai qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, comme pendant la guerre, il y a eu un très fort accroissement de l'ensemble des nuisibles, mais en particulier des punaises de lit. Au lendemain de la guerre, plusieurs États ont mené des actions assez décidées avec du DDT, avec les insecticides les plus puissants qu'on avait à l'époque. Et puis, on a commencé à mettre en place des services municipaux spécialisés. C'était le cas à Paris, où ils commencent à fonctionner. Il y a une magnifique archive de l'INA qui nous montre en 1964 le service municipal qui agit, qui met au froid. Alors justement, Fabrice, on a plongé dans les archives, puisqu'on vous a écouté attentivement. Et je pense que c'est de ça dont vous parliez. C'était à l'été 64, comment à l'époque... Déjà, les services municipaux à Paris tentaient de lutter contre les punaises de lit. Regardez. De quels moyens disposez-vous pour lutter contre cette invasion de parasites? Eh bien, lorsque nous recevons l'appel téléphonique du demandeur, nous essayons de nous y rendre le plus rapidement possible au moyen de l'un de nos 20 véhicules qui circulent dans Paris. Et si nous faisons la désinfection, la désinsectisation dans le local, nous agissons au moyen d'un appareil pulvérisateur
contenant un liquide insecticide à base de lindane. Merci à nos confrères de l'INA pour ces archives toujours éclairantes. Éclairantes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est une question qui intéresse, mais qui est déjà un petit peu derrière nous. En revanche, ça revient vraiment à partir du milieu des années 2000. Et tous les sujets qu'on a abordés, par exemple les trains de nuit, il y a déjà quelques cas, notamment, je me souviens de Metz-Nice, où on est obligé d'avoir une intervention. C'était un train de nuit, un TGV. C'est quand les gens se mettent à bouger plus, en fait, à voyager plus. Le train Paris-Venise aussi a fait l'objet encore au milieu des années 2010, cette fois-ci. Donc au début, c'est associatif, ça va toucher les prisons. Il y a toute une mobilisation autour du traitement des prisonniers parce qu'il y a des punaises de lit qui se manifestent au milieu des années 2000, 2016, 2017. Et là où ça devient un sujet politique, malgré tout, c'est qu'en 2019, la France Insoumise se saisit du sujet pour dire, voilà, les familles les plus pauvres, les familles sont modestes, ne sont pas aidées et n'ont pas les moyens pour payer une désinfection qui est assez chère. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit monter en puissance et la psychose actuelle, je crois, reflète aussi une forme de politisation supplémentaire. Alors deux choses dans ce que vous avez dit qui font réagir. D'abord le matelas, quand vous dites les matelas Orwell, il faudrait mieux brûler le matelas. On voit parfois, si on se promène dans son quartier, des gens qui ont sans doute sorti leur matelas, qui l'ont déposé là, qui... parfois, on a la gentillesse de dire « attention, punaise de lit, donc ne le reprenez pas ». C'est bien de faire ça ou pas ? Non. Alors, merci beaucoup de me poser la question, parce que c'est l'erreur la plus souvent commise par les personnes touchées, c'est qu'ils commencent à jeter des meubles, des matelas, des lits, des canapés. D'une part, ça ne sert à rien, ça ne va pas régler le problème, alors que le professionnel, quand il intervient, il traitera très bien votre matelas et ça vous fait dépenser beaucoup d'argent pour rien. L'autre chose, c'est que c'est le meilleur moyen de propager l'infestation chez vous déjà, en promenant le matelas, dans l'immeuble, en faisant tomber éventuellement sur les paliers. Parce que si elles sont dedans, elles vont sauter, alors, tomber. C'est pas tellement dans le matelas, c'est plutôt dans le sommier, sur le matelas. Mais elles vont tomber, ça elles risquent de tomber quand vous allez déplacer le sommier. C'est comme si on se met des punaises, en gros. Exactement, donc vous risquez de contaminer les voisins. Et puis dans la rue, malheureusement, c'est très souvent récupéré par des gens peu scrupuleux qui, même quand il y a un petit mot, l'enlèvent et puis mettent ça sur le bon coin et ça finit chez un étudiant désargenté et ça propage encore le problème. Donc surtout, ne jetez pas vos affaires. Dans le cas de la mairie de Paris, c'est possible de signaler qu'il y a des punaises de lit à l'intérieur aux encombrants pour que ce soit récupéré plus vite. Et ils viennent exprès avec... Ils viennent plus vite du coup et effectivement, c'est pas exactement le même protocole de récupération et ça, c'est quelque chose que les autres villes pourraient reprendre pour celles qui ne le font pas encore. C'est plutôt une très bonne idée. Alors, mais c'est ça qui est intéressant avec ce ping-pong entre vous deux. Vous avez commencé à nous faire un panorama historique, Fabrice Delmeida. Vous disiez première guerre mondiale, grosse infestation. Ma question est sans doute naïve, mais pourquoi, Fabrice ? Parce qu'il y a une paupérisation, parce que les gens ont beaucoup bougé malgré eux. Quand on met beaucoup de monde au même endroit, dans des conditions de vie qui sont proches du sol... C'est les tranchées, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Quand on met environ 3 millions d'hommes sur le front, et fatalement, il y a un groupe de nuisibles. Et tous les petits noms qu'on a, les Boches, les Doryphores, enfin, tous les petits noms qu'on donnait aux Allemands correspondent en fait à des parasites, en fait. Donc, la punaise, le cafard, ce sont des insectes avec lesquels les poilus devaient s'habituer à vivre, et évidemment, avec les puces corporelles. Donc, ça a été un moment, les guerres mondiales en général sont des moments où il y a des urgences telles, il y a des proximités telles que ça accroît souvent la présence des nuisibles. C'est pour ça que la Première Guerre mondiale, tous ces petits noms sont restés d'une certaine manière. Et c'est presque amusant de voir que c'est entré dans la culture. Il y a beaucoup de dessins, quand on regarde les illustrations de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de dessins où on voit les poilus s'épouiller, où on voit aussi la couche, la recherche, où on dit qu'il faut brûler régulièrement les grabats dans les tranchées. Donc, vous voyez, mais je pense que les hommes du 19e siècle avaient des habitudes par rapport à ces nuisibles que nous n'avons pas. Par exemple, j'ai lu un auteur allemand qui s'appelle Reinhardt, qui fait un guide pour le voyageur au début du 19e siècle, et il explique qu'il faut doubler ses draps, mettre du camphre, qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la chaux autour de son lit quand on arrive dans un hôtel qui a l'air un peu douteux, quoi. Donc lui-même, et je pense que ça correspond aux pratiques que certaines personnes voudraient avoir aujourd'hui, lui-même savait que ces nuisibles ne passent pas partout, qu'il y a certaines formes de matière qui les repoussent, qui leur sont désagréables. Alors du coup, les remèdes du 19e siècle de l'auteur que cite Fabrice Almeida, le camphre, la chaux. Non, vous n'êtes pas obligé de voyager avec de la chaux quand vous allez dans un Airbnb, je vous rassure. Ça complique la vie. Non, simplement, en fait, la piqûre de punaise de lit, là où il faut rassurer aussi, c'est qu'elle ne transmet pas de maladie. Donc, ce n'est pas très grave de se faire piquer par une punaise, c'est désagréable, mais ce n'est pas très grave si ce n'est pas chez vous.
parce que du coup, il n'y a pas spécialement de lutte à avoir. Donc l'idée, c'est que si un jour vous êtes dans un hôtel où vous avez une suspicion parce que vous avez été piqué, il faut faire en sorte de ne pas ramener les punaises de l'hôtel jusqu'à chez vous. C'est surtout là qu'il y a une lutte à faire. Donc simplement, emballez bien toutes vos affaires dans des sacs poubelles. Vous faites des petits sacs dans votre valise et tous ces sacs poubelles partent au congélateur, ça marche très bien, ou partent à la machine à 60 degrés. Ça permet d'éliminer les punaises sans avoir à tartiner de chaud le Airbnb et de ne pas les ramener chez vous si vous voulez derrière. Il y avait le camphre, non, mais je pose la question parce que ça peut être des remèdes de grand-mère. Malheureusement, si on met des huiles ou des huiles essentielles dans ces draps, ça marche pas. Malheureusement, les remèdes de grand-mère sur les punaises de lit marchent pas. Une fois qu'elles sont chez vous, malheureusement, une fois qu'elles sont installées dans votre maison, là, elles vont se développer d'une manière ou d'une autre. Les huiles essentielles pourront peut-être les repousser quelques jours de votre lit, mais du coup, elles iront se mettre dans le canapé à la place. Et puis, au bout d'un moment, quand elles auront trop faim, elles viendront dans votre lit quand même. Donc, vous, quand on vous appelle et que vous conseillez quoi faire, c'est quoi le protocole? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en débarrasser? Alors la première chose, c'est qu'on respire un grand coup. Je le dis souvent, mais les gens paniquent parce qu'on voit aussi les pires cas de la terre, si vous voulez, sur les punaises de lit. Une infestation de punaises de lit, quand c'est bien pris en charge, c'est pénible, mais on s'en sort. Ça, c'est très important de le rappeler. Donc on souffle un grand coup. Ensuite, on choisit le mode de traitement qui vous correspond. Il y a plusieurs options qui existent. Mais est-ce que ça ressemble à ce qu'on voyait dans l'archive que Fabrice commentait tout à l'heure? Non, mais est-ce qu'on arrive encore avec des bidons d'insecticides qu'on pulvérise? Il peut y avoir des traitements insecticides dans certains cas. Ça dépend de ce qui va être privilégié. Quand il y a des enfants en bas âge, par exemple, c'est pas forcément l'option qu'on va privilégier. Il peut y avoir des traitements thermiques maintenant qui sont faits avec des machines à vapeur ou de la cryogénisation, des traitements mixtes, des insecticides naturels. Il y a beaucoup de choses. Donc choisissez celui qui vous convient. Faites attention lors du choix du professionnel. C'est malheureusement il y a pas mal de personnes qui profitent, surtout en ce moment, de la détresse des personnes qui psychotent un peu sur le sujet et qui vont vendre des traitements. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a une augmentation du nombre d'infestations. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui pensent avoir des punaises de lit alors qu'ils n'en ont pas. Nous, au standard, les trois quarts des appels, les gens n'ont pas de punaises de lit. Alors ils confondent avec quoi? Soit ils ont eu un bouton de moustique, soit ils ont vu un autre insecte qui ressemble un petit peu et ils ont confondu. Simplement, un professionnel peu scrupuleux peut peut-être aller vendre une intervention et le fera sans doute s'il a l'occasion. Donc faire attention sur le choix du professionnel et puis bien respecter le protocole. Effectivement, c'est assez pénible de se débarrasser des punaises, mais on a besoin de votre collaboration quand on intervient pour que tout se passe bien. Bruno Gazzo, vous êtes toujours avec nous, monsieur président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Qu'est-ce qu'on fait dans les transports, monsieur, si jamais il y a des punaises de lit? On posera évidemment la question à Nicolas Droute-Bézieux, mais est-ce que vous réclamez des nettoyages accrus, une surveillance accrue, sachant que les transports seront aussi au cœur des préoccupations des villes et des Français et des athlètes et des fans de sport qui viendront chez nous l'été prochain? Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que font les entreprises, elles en ont témoigné ce matin à la Réunion, c'est que dès le premier signalement, elle retire la voiture ou la rame de la circulation et elle est intégralement désinfectée sans attendre la vérification que le signalement correspond bien à une punaise. Donc ça, c'est plutôt rassurant que ce soit systématique et obligatoire. Et je voudrais ajouter qu'avec le Covid, les entreprises se sont pas mal professionnalisées dans la prévention et dans l'anticipation de ce type de phénomène, et y compris même dans l'information de leurs usagers. Donc je crois que le Covid a été très utile pour que tout le monde prenne des menaces comme celle des punaises très au sérieux. Et j'étais rassuré de voir finalement la professionnalisation des entreprises de transport aérien et ferroviaire et urbain sur la menace qui pèse sur nous d'une extension des punaises. Et vous allez être vigilant en perspective des Jeux. On a encore un peu de temps, mais vous allez surveiller ça de près. Vous allez garder une pression sur la SNCF, la RATP. Là aussi, le ministre nous a rassurés, puisqu'il a demandé quand même aux entreprises de témoigner très régulièrement, de tenir des statistiques, d'en référer mode par mode, de les cumuler. Et le ministre s'est engagé vis-à-vis de nous à ce qu'on reçoive une information régulière. Il nous a donné rendez-vous d'ailleurs d'ici à la fin de l'année pour participer à une nouvelle réunion. Donc je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que cette transparence existe, c'est l'intérêt de tout le monde que l'information soit aussi claire, aussi nette et aussi crédible que possible. Et c'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à de la confiance et en tout cas à rassurer les gens et à lutter contre toutes les formes de fausses nouvelles. Merci monsieur. Fabrice Dalmeida, vous parliez tout à l'heure du train, de l'avion. Est-ce que
L'avion, j'ai pas vu dessus. En fait, parce que moi, j'ai essayé de répertorier les sujets qui avaient été traités par les télévisions françaises, en gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas vu de sujet sur l'avion. Ah, j'en ai vu sur le train. À un moment donné, dans les avions. mais est-ce que les transports, est-ce que vous parliez du progrès, des étapes, des guerres, etc. Est-ce que la mondialisation, dans le sens, les gens se déplacent davantage, voyagent davantage, est-ce que ça a pu aussi expliquer que les parasites et d'autres problèmes se déplacent aussi davantage? Ça a été beaucoup dit au moment de la réémergence des punaises de lit vers 2010, où il y a eu notamment aux États-Unis une vague extrêmement puissante à New York, puis à Los Angeles, et où tout d'un coup, ils se sont posé la question. Et l'une des hypothèses qu'ils faisaient, c'est effectivement le fait que des voyageurs qui avaient pris l'avion avaient transporté les punaises de lit. Donc, ils alliaient ça au fait que, en fait, la baisse de tarifs de transport aérien avait favorisé la circulation et donc naturellement les parasites des uns étaient passés dans une autre zone et puis même dans le même pays, on avait eu ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que la circulation favorise ce type d'éléments. Et moi, je pense qu'il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a la familiarisation ou pas avec la punaise. On avait quand même vachement perdu l'habitude. Et donc, quand c'est revenu à partir de 2010, ça a été une surprise. Et ce qui est très frappant par rapport aux autres époques, c'est qu'on regarde les punaises de lit, nous, pas seulement comme des parasites, mais aussi comme une espèce de honte. Et il y a un traumatisme psychique quand on lit les articles là-dessus et quand on regarde les témoignages, les gens sont traumatisés. Et si on parle de psychose aujourd'hui, c'est bien qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu détraqué. Et quand on compare aux autres époques, même encore Orwell en 1952 qui écrit un texte là-dessus, il parle du problème physique. En gros, ça gratte, hein, voilà. Mais il n'y a pas de problème psychologique, en fait. Il n'y a pas de honte de soi. Il n'y a pas de... Parce que c'est des parasites avec lesquels l'homme vit depuis pratiquement ses origines. J'imagine qu'il y en avait dans les cavernes, qu'au moment où on faisait les dessins préhistoriques, elles étaient là, elles nous attendaient gentiment pour pouvoir avoir leur repas. C'est même là qu'on les a récupérés, si je peux me permettre. Oui, c'est un parasite de la chauve-souris à la base. Donc c'est quand on est rentré dans les cavernes, on les a récupérés. Mais c'est intéressant ce que dit Fabrice sur le côté, vous disiez, on respire un grand coup tout à l'heure, sur le côté trauma qu'il peut y avoir de l'infestation. Mais vous parliez des rats aussi. Il y a aussi ce côté-là de l'infestation. Mais surtout que les punaises de lit n'ont rien à voir avec l'hygiène. Et effectivement, il y a un impact psychologique qui est très lourd sur les victimes. Nous, on a fait une assurance contre les punaises de lit. On parle de victimes parce qu'on a fait une assurance contre les punaises de lit, ça fait plus d'un an qu'on a lancé ça. On a mis là-dedans une assistance psychologique. Les gens qui n'ont pas eu de punaises de lit, ils nous rient au nez quand on leur dit une assistance psychologique. Les personnes qui l'ont vécu, ils comprennent pourquoi. Parce qu'effectivement, on s'isole, on n'ose plus aller voir ses proches, on n'invite plus personne, on n'ose pas toujours en parler. Il y a la majorité des gens qui n'en parlent pas autour d'eux. Donc ça fait un espèce de phénomène de bulle comme ça, dans un moment où on dort très mal parce que voilà, c'est pas agréable de se replier dans son lit. Donc l'impact psychologique est très lourd. Alors, je vous montre ces chiffres sur le nombre d'interventions de désinfection qui a augmenté de 65% entre l'été 2023 et l'été précédent, et un Français sur 10 qui se dit victime d'infestation. Nicolas Roux-de-Bézieux, pourquoi ? Pourquoi en un an, est-ce que c'est le réchauffement climatique ? Est-ce que ma question est idiote ? Non, je pense que... Alors, c'est pas en un an. En réalité, la progression a été assez constante. C'est 20% par an depuis 10 ans. En gros, c'est ça. Donc c'est une progression qui est constante. Là, la hausse, elle est quand même liée aussi à l'effet médiatique, dans le sens où on l'a dit, il y a peut-être des entreprises qui ont fait des interventions sur des problèmes qui n'étaient pas des punaises de lit. En dehors de ça, on a aussi des gens qui ont pris plutôt le problème. C'est-à-dire que des gens qui, normalement, nous auraient appelés en octobre ou en novembre, comme il y a eu un effet, on en a beaucoup parlé, un effet loup, bien, un peu. Et ben les gens ont réalisé plus vite qu'ils étaient infestés. Et tant mieux, c'est génial, parce que ça a limité la propagation des punaises de lit. Si on veut limiter l'infestation au global, il faut absolument réduire le temps entre le début de l'infestation et l'éradication. Donc là, les gens, très bien, ils étaient concentrés. Donc là, on a eu plus d'interventions, parce qu'évidemment, on a traité plutôt des problèmes. Et puis par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de demandes d'intervention pour des diagnostics, parce que les gens, effectivement, ont un peu psychoté. Et donc, ça vient s'ajouter, si vous voulez, dans cette augmentation. L'augmentation, elle est probablement du nombre d'infestations, elle est plutôt de l'ordre de 20% si on se met sur un an, parce que c'est assez constant. Donc 60, on exagère. On n'exagère pas. Dans les faits, il y a eu 65%, d'accord, mais ce n'est pas l'augmentation du nombre d'infestations, c'est le nombre d'interventions. Ce n'est pas la même chose. Et alors, je voulais... Il y a quand même un point, parce que dans le reportage que vous avez passé en 1964, on assistait à une prolifération. Et une des questions qu'on se posait, c'était quel motif ? Et en fait, c'était un été chaud. Et l'une des explications que donnaient à l'époque les spécialistes, je ne sais pas si c'est toujours vrai d'ailleurs, c'est que quand il y avait de la chaleur, ça favorisait la multiplication des nuisibles, quels qu'ils soient en fait, de l'ensemble des nuisibles.
et notamment donc de celles qui nous occupent aujourd'hui. Alors c'est pas que des nuisibles, c'est des insectes en fait en règle générale quand il fait chaud. Donc effectivement, alors, la punaise de lit a survécu très bien en hiver chez nous dans nos maisons. Elle est ralentie. Et vous faites pas de lien, parce que c'est intéressant. Si, en fait, elles se reproduisent un peu plus vite effectivement quand il fait chaud en été. Donc bien sûr que ça a un petit impact si vous voulez, mais c'est mineur à côté du fait qu'on met trop longtemps à prendre en charge les problèmes. Regardez, je voulais partager avec vous cette image et Nicolas Roux-Bézieux, ça va sûrement vous faire réagir. Je crois que la technique est venue de New York, mais on s'en sert aussi à Paris. C'est une détection préventive ou une détection tout court avec des chiens qu'on dresse comme pour la drogue, j'imagine, et je vous posais la question que c'est avec l'odeur, mais qu'on dresse à détecter les éventuelles infestations ou arrivées de punaises de lit dans les appartements. Est-ce que ça est... Je lisais, j'espère, dans des publications sérieuses, que ça fonctionnait, que c'était très fiable. C'est la méthode la plus fiable qu'on ait pour détecter les punaises de lit. Ça vient effectivement des États-Unis, c'est eux qui ont commencé avec ça. Ils ont des chiens pour beaucoup de choses là-bas. C'est la méthode la plus fiable qu'on ait. C'est une profession qui se structure. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a des chiens en France sur le sujet. Et c'est une profession qui se structure avec un syndicat maintenant des détecteurs canins. Et effectivement, c'est très intéressant dans certains cas, notamment quand il y a des grands appartements. Et vous en proposez par exemple ? Oui, sur le site, nous, dans les différents prestataires qu'on audite, il y a aussi des détecteurs canins parce que dans le cas par exemple de grands appartements, ça permet de localiser les pièces qui sont touchées et du coup de se concentrer là-dessus sur tout le protocole qui est très lourd. Et puis il y a aussi des gens qui ne sont pas allergiques aux piqûres de punaises de lit. Donc eux, quand on a fini le traitement, on ne sait pas si ça a marché ou pas, s'ils n'ont pas de bouton. Donc le meilleur moyen, c'est de faire passer un chien pour en être certain. Et dernière question, peut-être plus pour vous, Nicolas. Est-ce qu'il faut demander, ça faisait partie des discussions sûrement aussi que la Première ministre aura vendredi, est-ce qu'il faut demander aux assureurs d'ajouter l'infestation? Vous allez peut-être me dire que ça existe déjà, mais comme une clause qu'on prendrait et sur laquelle on pourrait être remboursé au vu des chiffres de ces dernières années. Alors oui, bien sûr, c'est une des méthodes qui aurait le plus d'impact parce que ça réduirait beaucoup, en fait, encore une fois, ce délai entre infestation et éradication. Ça éliminerait la question financière, évidemment. Il faut que les assureurs en soient d'accord, bien sûr. En attendant, nous, effectivement, on a fait cette assurance punaise de lit spécifique parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et au moins, ça permet aux gens de s'assurer dès aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Fabrice d'Almeida, votre dernier livre portait pour des gens qui ont peut-être moins de punaises. Bon, ça serait parti pas socialement. C'était l'histoire mondiale des riches. C'est un clin d'œil. Vous nous rappelez l'éditeur, parce que vous êtes venu. C'était aux éditions Plon. Merci beaucoup. Merci à vous. Fabrice d'Almeida, et on peut vous écouter chez nos confrères de la radio régulièrement. Merci beaucoup, Nicolas Roux-Bézieux. Et vous resterez avec nous, vous reviendrez et vous répondrez tout à l'heure. On tient notre promesse, vous répondrez à nos téléspectateurs sur toutes les questions que vous avez sur ces punaises de lit. Chaque soir, dans le monde de l'oison, le choix de nos éditorialistes, on y tient. C'est l'info que vous n'avez peut-être pas vue, mais qui ne leur a pas échappé à eux. Et c'est votre choix.